Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre Let's Play sur Pokémon version éclat-pourpre. Nous sommes dans la ville d'Egipolis où nous avions livré notre second combat d'arène contre l'arène de Lucius qui était un fan de type poison, hein, tout simplement, des Pokémon de type poison. Et nous l'avons remporté, c'est un combat plus difficile bien sûr que le premier, non sans peine, on s'en est bien sorti. Et donc on va continuer notre chemin vers les 6 badges qui nous restent à obtenir, comme vous le savez, pour affronter la ligue Pokémon de ce jeu, bien sûr. Et donc nous sommes partis vers la route 5 où il fait grand soleil, comme on peut le constater. Donc ça, c'est pas mal. Alors, Lambre, Mustafot, ah oui évidemment, j'en ai profité pour XP les Pokémon, hein, comme vous voyez. J'en profite, ça évite de le faire en vidéo et que ce soit trop long. Il est sous l'arène quand même le Lombre, mais bon. C'était 27 retours. Au retour pour retour pour Excavaren. On lui retire gros yeux. Hein. Qu'est-ce que ça apprend, Excavaren, par monter de niveau? Il apprend Piétisole au niveau 23? Non, c'est pas possible. On va prendre Vorpola 7G. Non, il apprend Tunnel niveau 37. Non. Il aura pas de stab seul avant un moment. Charabingue. Alors, c'est très linéaire comme jeu, hein, pour l'instant. Oh, bon, Cranopo. J'avoue, j'aime bien Cranopo. Sans coquille, ouais. Ouais, alors, pour le coup, sans coquille, c'est presque mieux, hein, que... J'aurais remplacé Excavaren et Mustafot à la fois. Ah, lui aussi. En fonction du talent, ça dépend. Mais non, on va rester sur ça. Ah. Oh là là, on voit un seul ourdeau. Bio. Mais la double faiblesse. Alors, c'est quoi ça? La pension. Sokipo. Attentif. Mon chien.
En route 6. Avec Parambule. Un Parambule niveau 20, par exemple. Ouh, ça pas à quoi brèche, non. On va voir le retour de l'Excavaren, hop là. Oh, il se fait paralyser, putain. Oh, trop cool. Non, 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 Il y a l'extra-senseur. C'est ma show. Hein. Oh! Alors lui, pour le coup, c'est un mal. On va prendre le mal parce que, au cas, j'ai envie de changer. Quoique non, garde de voir. Du coup, il y a le type fée dans ce jeu. Assure-moi, il y a le type fée. Oui, il y a le type fée. Il y a le type, il a synchro, ouais, admettons. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et la Galamite au fond. Bah voilà. Écoute. Bien qu'il y a les méga. C'est quoi ça? Oh. Meloxic. On fout l'exploratif, franchement. Merci, c'est gentil. Ok, bon. Arcana. Ok. Ah non. L'ourson. Ah, je m'arrive laser glace. Chier, ouais. Il y a la masse dresseur ici. Scorplan. C'est stylé. Et le merde de première là-bas. Oh! Ah, c'est encore lui. Aucun service.
Un coup de balle, bah tu vas t'en prendre des coups de balle, t'inquiète pas. Des grosses claques dans la tronche. Allez, bon, le Spectrami dégage. Démolos. C'est 52 def ça. Hop. Merde. Je me suis trompé, excusez-moi. Hop, le switch. Tu te souviens de ce petit bonhomme? Au revoir. Hâte. Midorino. Chemin creuse. Makuhita, d'accord. Une plénitude. Dieu, c'est stylé. C'est des bugs d'écriture. Ah. Bon, ok. Ça, on s'en fout. Ah, il y a CP Pop ici. Je dois crack. Vous pouvez vous calmer sur les Pokémon là? Mekinez. Ah, c'est une nouvelle ville. Oh, c'est stylé les Alakazam qui te téléportent. Il y a une arène. C'est une arène de type 6, c'est ça? Ouais. Vu la ville, ça paraît assez logique. Ah non, il y a encore ces trucs de merde. Mais c'est Starol, on va Kyria. Kadabra. Girafarig. Lushana. Bah, c'est Bulky. Bon bah c'est sûr. Alex Cavaren. Quoi ça?
Ah, ça, contre une arène de type 6, ça pourrait être pas mal. Il y en avait dans la grotte. Sauf que, ah oui, j'ai une résistance avec Tarzan. Sauf que lui, il a une immunité et il est super efficace dessus. C'est vrai. Ah, son évolution est moche. Alors lui, s'il tank un retour, je rigole. Hein. Ça a 30 de défense. C'est comment ça de faire les pokers? Il va falloir s'entraîner, ouais. J'avoue. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Je vais me poser, ça veut rien dire ça. Parle pas comme ça. Ils se soignent, ils ont tous quelque chose pour se soigner à chaque fois. Hein. Bon, Staros, faut peut-être pas déconner, mais bon. Ouch. Ok, pourrait-il bon. Histoire de dire non. Pas du tout. Ouais, le surf, ça dégage. Ah, mais l'air bizarre était vivant. Est-ce qu'il dépasse? Il a soin, évidemment. Bon, je l'ai battu, mais... Ah là, ça fait mal, hein. Ok, non, mais je peux rien faire contre lui. Je pense que c'est évident. Je pense qu'il va me casser en deux. Hein. C'est Joseph. Hein. C'est pour prendre la température. Bon, lui, ça va. Là, il m'a empoisonné. À la Kazam. Je le dépasse. C'est bien. Oui, mais je meurs. Je meurs à la fin du tour. Ah, quoique. Le poison s'est pas déclenché? Putain, mais il a arrêté de vouloir m'endormir. Ouh, sabotage qui fait pas très mal, là. Hein. Non, mais genre, tu peux pas... Tu sers à rien, hein, franchement. Arrête d'endormir tous tes Pokémon, putain de merde! C'est quoi ton problème? Oh, Charmina. Charmia Casse-Brigue. Oh putain. Ouh là là, là le Charmia. Oh, il faut l'endormir. Hein. Tout de suite, faut l'endormir. Il a point glace! C'est quoi ce Charmina? Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la psy-coup de boule! Ah oui, d'accord, ils ont gardé. Ils ont gardé le meilleur pour la fin, là. Oh putain. Il a tout l'arsenal d'attaque. Ok, bon.
Oui, sait-on jamais, sait-on jamais. Bah là, c'est mort. Génial, génial. Ah, c'est génial, bah non. Ah, je n'y attendais pas, le Charmina à la fin. D'accord. Bon. Bon, va falloir se débarrasser de ce Charmina. Bon, là, de toute façon, j'ai tenté juste pour prendre la température, hein, sans plus. On va aller s'entraîner un petit peu. Bien sûr. Je pense que si je setup le Tarzal, qui va évoluer par la suite, je vais le monter en garde-robe. Par contre, il faudrait que je puisse sortir. C'est bon. Bon, on va pas faire ça en vidéo. Ça va être beaucoup trop long. On va s'arrêter là, du coup, pour cette fois-ci. Et je m'entraînerai d'ici la prochaine fois. Bah, de toute façon, j'arrive au bout du temps. Donc voilà, et on sera paré cette fois pour prendre notre revanche sur le champion. Et on sera prêt surtout à en finir avec lui. Et pour continuer ensuite notre aventure. Merci beaucoup de m'avoir suivi, en tout cas. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.